Colonel. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 20 des morts de personnages détestés au cinéma. Don't hate me, Trinity. I'm just a messenger. I won't kill you. But I don't have to save you. Get off my plane. Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages qui ont passé l'arme à gauche pour notre plus grand plaisir, parce qu'on va pas se mentir qu'on les détestait, ou qu'au moins on adorait les détester. Gardez à l'esprit que je ne parlerai ni de personnages d'animation, ni de monstres de films en prise de vue réelle. Donc, par exemple, vous ne verrez pas dans cette liste le sort réservé à Gaston ou encore à Jabba le Hutt. Et bien entendu, faites gaffe aux spoilers parce qu'il y en aura plein, et des gros en plus. Lequel de ces départs vous a le plus mis le smile? Dites-le moi en commentaire. Numéro 20, Mola Ram, Indiana Jones et le Temple Maudit. Moi, je suis comme vous, j'aime bien une bonne scène de visage qui fond, mais c'est vrai que pour le coup c'était plus effrayant que satisfaisant. Le prêtre Mola Ram, en revanche, est quelqu'un de méprisable dont on attendait impatiemment la défaite dès lors qu'il est apparu et qu'il s'en est pris au cœur de quelqu'un. Lors de l'apogée du film, Mola Ram confronte Indiana Jones sur un pont suspendu par des cordes dans sa quête des pierres de Sankara. D'un geste qui surprend tout le monde, Indy abat sa machette sur l'alliage de cordes qui retient le pont. Mola Ram, prepare to meet Kali in hell. Oh, on a le ring! Jones et Ram luttent pour mettre la main sur les pierres en étant suspendus à ce qui reste du pont. L'avidité de Ram, qui ne peut pas s'empêcher de jeter son dévolu sur les pierres, qui sont devenues littéralement des patates chaudes, signe son arrêt de mort. Il tombe et fait plus ample connaissance avec 2-3 crocodiles. Numéro 19, Sebastian Shaw, X-Men le commencement. Klaus Schmidt a un jour demandé à Eric de déplacer une pièce grâce à ses pouvoirs. Eric n'a pas réussi, et en punition, Schmidt a tué sa mère. C'est l'histoire d'origine d'une rivalité ardente entre les deux. Listen to me, very carefully, my friend. Killing Shaw will not bring you peace. Peace was never an option. Plus tard, on retrouve Schmidt sous un nouveau nom, celui de Sebastian Shaw. Eric et lui s'affrontent et lors du combat, Charles Xavier saisit une ouverture pour le figer sur place grâce à ses pouvoirs de télépathie. C'est le moment où l'on voit la chute d'un antagoniste et la naissance d'un vilain. Dans un clin d'œil à son passé, Eric se sert d'une pièce de monnaie nazie pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de son vieil ennemi. S'il existe des méchants encore plus dégueulasses que Sebastian Shaw, peu d'entre eux ont une fin qui colle aussi bien à leur histoire. Numéro 18, Al McCoyne, Hunger Games, La Révolte, partie 2. Mockingjay, may your aim be as true as your heart is pure. En parlant de méchants bien coiffés, cette meneuse de la révolte est si fourbe qu'on en est même venu à apprécier l'odieux président Snow pour son franc-parler. Al McCoyne est la présidente du district 13, un district soi-disant annihilé pendant les jours obscurs. Elle monte une propagande anti-Capitole avec Katniss Everdeen en figure de proue ou, au sens figuré, leur gémoqueur. Bien que la cause soit noble, Coyne fomentait en fait en secret des plans impitoyables pour prendre la place de l'ennemi. Elle n'a pas hésité à laisser des innocents, comme la sœur de Katniss, Prim, mourir pour atteindre ses objectifs. Après avoir compris que Coyne était destiné à devenir le prochain Snow après la guerre, Katniss a décoché une flèche qui a mis fin à la vie de Coyne. Le Gémoqueur a mis fin à un cercle de tyrannie et a pris à tout le monde ce qu'il en coûtait de s'en prendre à sa sœur. Numéro 17, Henry Rhodes, le jour des morts vivants. Être le leader d'un complexe militaire souterrain, ça impose de montrer du respect à ses subordonnés, même s'il s'agit d'un zombie, surtout si celui-ci a une intelligence supérieure à la moyenne. Apparently, he was in the military. Return a salute and see what he does. You want me to salute that pile of walking pus? Salute my ass.
Dès lors qu'il a pris les commandes, le capitaine Rhodes perd peu à peu les pédales. Il n'hésite pas à se débarrasser de quiconque s'oppose à lui, sans exprimer aucun remords. Lorsque la base est envahie par les zombies, Rhodes fait passer sa survie avant tout le reste. Mais évidemment, le karma est un plat qui se mange en pleine tronche et cette fois, il prend les traits de Bud, un zombie issu du programme scientifique de domestication et qui a des comptes à régler. Rhodes tente d'échapper aux zombies qui lui tirent dessus, mais dans la panique, il ouvre une porte qui aurait dû rester fermée. Salut militaire de Bud, alors que le capitaine se fait choper par une horde de zombies, c'est la cerise sur le gâteau de cette mort parfaite. Numéro 16, August Walker, John Lark, Mission Impossible Fallout. Si Owen Davian du film Mission Impossible 3 est le plus méprisable des méchants, sa mort n'est pas tout à fait aussi savoureuse que celle d'August Walker. Arborant une moustache qui me laisse perplexe, Walker est à la base l'allié anti-héros d'Ethan qu'on apprécie. Sauf qu'on finit par savoir que c'est l'acheteur d'armes nucléaires John Lark, et on se rend compte du formidable et dangereux ennemi qu'il est vraiment. Les seules vraies menaces sont dans cette salle et nous les avons. Do you? Go. Ethan Hunt et l'équipe le traquent jusqu'en Inde. Après une poursuite haletante en hélicoptère, Ethan et Walker s'affrontent au bord d'une falaise. Les deux se retrouvent carrément à faire de l'escalade quand Ethan balance le câble qui retenait un hélico vers Walker. Le vilain moustachu chute juste avant que l'organisation n'empêche un autre désastre. Numéro 15, Colin Sullivan, Les Infiltrés. D'ordinaire, on a quand même du mal à haïr un personnage incarné par Matt Damon. Mais c'est vrai que dans Les Infiltrés, il est particulièrement méprisable. What was his name? The Departed. Il joue Colin Sullivan, qui est une taupe au sein de la police d'État du Massachusetts, mais qui est déloyal même envers les criminels qu'il est censé protéger. Quand il apprend que le chef du crime organisé, Frank Costello, est en fait un informateur du FBI, Sullivan aide la police et élimine Costello. Billy Costigan, le flic qui est une taupe au sein de la mafia, lui, arrive presque à appréhender Sullivan plus tard dans le film. Mais dans un coup du sort qui sourit à Sullivan, Billy mord la poussière avant que justice ne soit rendue. Et l'idée que Sullivan puisse sortir indemne de tout ça est vraiment dure à avaler. C'est là qu'arrive la dernière scène. Sean Dignam fait une apparition inespérée chez Sullivan et lui donne le châtiment qu'il aurait dû recevoir plus tôt. Okay. Numéro 14, Michael Cascadeur, Boulevard de la Mort. Quentin Tarantino nous a offert un paquet de personnages méprisables dans ses films. Heureusement, c'est un maître dans l'art de donner aux méchants ce qu'ils méritent avant la fin du film. Et il y en a un pour qui on n'attendait que ça, Michael Cascadeur. This car is 100% death proof. Only to get the benefit of it, honey, you really need to be sitting in my seat. Au volant d'un bolide pratiquement à l'épreuve de la mort, comme il le dit, à partir du moment où il est à la place du conducteur, Mike a pris la mauvaise habitude de s'en servir comme d'une arme contre les femmes qu'il croise sur la route. Après avoir vu une femme réaliser une cascade dangereuse sur le capot d'une voiture, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'empêcher de les tourmenter pour ce qui paraît être des heures. Heureusement, les filles sont capables d'éviter l'accident. Elles parviennent même à retourner la situation et à lui montrer de quel bois elles se chauffent. A priori, Mike n'est pas immortel quand il n'est pas dans sa voiture. Numéro 13, Madame Carmody, The Mist. Madame Carmody s'est servie de la peur que ressentaient les gens pour cette brume surnaturelle pour monter un culte violent. What will end it? Let me hear it. Expiation. 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 Welcome to Sesame Street. Today's word is expiation. Non mais, je comprends, un brouillard qui enveloppe la ville et qui cache tout un tas de monstres venus d'ailleurs, oui, c'est flippant. Mais justement, on se dit que des gens plus réfléchis et au sang-froid s'imposeraient. Bah, pas vraiment. En fait, Madame Carmody arrive progressivement à amasser des adeptes et prêche que le seul moyen pour se sortir de cette situation, c'est que certaines personnes donnent leur vie. Pendant que nos héros cherchent un moyen de sortir discrétos du supermarché, Madame Carmody encense la foule et attire l'attention sur un survivant vulnérable. À court d'options, le manager du supermarché, Holly, décide de la faire taire à jamais. Et croyez-moi, je vais pas pleurer pour un peu de lait gaspillé.
Numéro 12, Carlo Rizzi, Le Parrain. Hello, Carlo. La longue scène d'ouverture du Parrain nous montre un peu tout ce qui se passe à un mariage où Carlo Rizzi rejoint la famille mafieuse des Corleone. Malgré la joie qu'est censé apporter un tel événement, le mariage est tout sauf joyeux. Vexé d'être pris de haut dans la famille, Carlo maltraite sa nouvelle épouse Connie. En représailles, Sonny, le frère de Connie, lui fait la tête au carré. Incapable de se calmer, Carlo copine avec une famille rivale pour orchestrer l'assassinat brutal de Sonny. Michael Corleone émet des suspicions sur la mort de son frère, et quand il prend la direction de la famille après la mort de son papa, il piège Carlo de sorte qu'il avoue son implication dans la mort de Sonny avant de se débarrasser de lui. C'est froid, mais c'est mérité. Numéro 11, Dick Jones, Robocop. Il y a un sacré paquet de coups de grâce bien gore et totalement exagérés dans ce classique de Paul Verhoeven. Mais la fatalité qui fait le plus de bien, c'est celle que subit le vice-président de l'OCP, Dick Jones. Pour remédier à la vague de criminalité qui submerge Détroit, Dick Jones présente le robot policier modèle Ed-209. La démonstration échoue lamentablement, et c'est donc Robocop qui obtient le poste, entre guillemets. Loin de baisser les bras, Jones continue ses plans qui consistent à prendre le contrôle de la police de la ville, mais aussi de l'empire du crime qui y sévit. Il va même jusqu'à implémenter un ordre dans Robocop qui l'empêche de s'en prendre un cadre de l'OCP. What did you think? You were an ordinary police officer? You're our product. And we can't very well have our products turning against us, can we? À la base, ça doit empêcher Robocop de s'attaquer à Jones dans la dernière scène. Mais une fois que le boss de Jones le vire, Robocop est totalement libre de rendre la justice. Numéro 10, Margaret White, Carrie au bal du diable. Avant Madame Carmody dans The Mist, il n'y avait pas de méchante religieuse plus détestable dans l'histoire des films d'horreur que Margaret White. Quoique pas tout à fait aussi extrême que Madame Carmody, Margaret se présente à nous en punissant sa fille Carrie juste parce que celle-ci a ses premières règles. Malheureusement pour Carrie, sa télékinésie naissante ne fait que renforcer la croyance de Margaret que sa fille est une sorcière et qu'elle doit être éliminée. Alors que Carrie revient de l'horrible bal de promo, Margaret attaque Carrie alors qu'elle prétendait vouloir la réconforter. Que ce soit consciemment ou par instinct pur, Carrie utilise alors ses pouvoirs pour mettre un terme au règne de terreur de Margaret. Numéro 9, Cypher, Matrix. I know what you're thinking. Because right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here. Why, oh why didn't I take the blue pill? Alors, d'accord, on peut comprendre que Cypher préfère l'environnement sûr de la Matrice au vrai monde, qui est ravagé et lugubre. Mais ça justifie pas pour autant ce qu'il a fait. Ce membre de la résistance humaine passe un accord avec les machines, à savoir d'être remis dans la Matrice en échange de son leader, Morpheus. Et comme si ça ne suffisait pas, Cypher se déconnecte et retourne dans le vrai monde où il assassine plusieurs de ses alliés en les débranchant, alors qu'ils sont littéralement sans défense. Avant de pouvoir faire la même chose à Neo, Tank révèle qu'il est encore en vie. Il finit par se venger de Cypher, et d'une belle façon en plus. I don't believe it. Believe it or not, you piece of shit, you're still gonna burn. Dans cette histoire où Neo est une espèce de figure christique, Cypher est clairement l'équivalent de Judas. Numéro 8, Annie Wilkes, Misery. A l'instar de Madame Carmody et Margaret White, Annie Wilkes entretient l'héritage de Stephen King, qui écrit des méchantes tout aussi horribles que captivantes. Annie, déséquilibrée, tient son auteur préféré Paul Sheldon en otage, en faisant croire qu'elle s'occupe de le soigner. En même temps, elle le force à ramener à la vie son personnage préféré. S'il refuse, alors il devra subir d'atroces conséquences. Annie, en 1871, les femmes ont souvent mort en childbirth. Mais l'esprit est l'important, et l'esprit de misère est encore vivant. Après plusieurs tentatives d'évasion ratées,
Paul n'a d'autre choix que de faire face à Annie s'il veut survivre. S'il semble qu'Annie rencontre son créateur après avoir fait un bisou imprévu et une machine à écrire, Paul doit finalement clore le chapitre de sa vie de ses propres mains. Numéro 7, l'Empereur Palpatine, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Est-ce qu'il existe un antagoniste dont le diabolisme est aussi culte que l'Empereur Palpatine? Il méritait déjà un sort funeste pour avoir attiré le jeune Anakin Skywalker vers le côté obscur. Mais non content d'avoir ruiné la vie d'un Skywalker, il a fallu que Palpatine tente Luke de défaire Dark Vador et de devenir méchant lui aussi. Et malgré le duel de sabre laser intense qui prend place, Luke choisit finalement de ne pas tuer son papa. Une retenue à laquelle Palpatine répond en frappant Luke avec des éclairs de force. If you will not be turned, you will be destroyed. Un geste qui mène à une scène culte où, pris d'un amour paternel inconditionnel, Vador revient brièvement dans la lumière et défie son maître. Son sacrifice permet de se débarrasser de Palpatine. Bien que l'ascension de Skywalker jouera plus tard avec les détails de la mort de l'Empereur, sa chute dans le retour du Jedi reste très satisfaisante. Numéro 6, Bellatrix Lestrange, Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. La mange-mort Bellatrix Lestrange est devenue l'un des personnages les plus détestés du monde des sorciers au moment où elle a ôté la vie au parrain d'Harry, Sirius Black. Elle finit par avoir ce qu'elle mérite lors de la bataille finale de Poudlard. Bellatrix cherche à éliminer Ginny Weasley dans le grand hall, ce qui pousse Molly Weasley à s'interposer avec une réplique badass pour défendre sa fille. Not my daughter, you bitch. Quoique court, leur duel est captivant. Molly parvient à figer Bellatrix avant de la désintégrer littéralement. Ce qui est vraiment satisfaisant dans la défaite de Bellatrix, c'est qu'elle nous est offerte des mains de Molly Weasley, qui n'avait jusque-là pas eu vraiment l'occasion de montrer sa férocité sur le champ de bataille. Numéro 5, Immortanjo, Mad Max Fury Road. Immortanjo est le leader autoproclamé de la Citadelle, une ville post-apocalyptique. C'est un tyran qui règne d'une poigne de fer. Non seulement il a gardé la main mise sur les réserves d'eau, au grand dam de ses citoyens, mais en plus, il a toujours négligé les envies de ses différentes épouses. Mais comme c'est un barjo ultra possessif, il vrille complètement quand son lieutenant, Imperator Furiosa, se fait la malle avec son harem. Where is she taking them? She didn't take them, they begged her to go! Where is she taking them? A long way from you! Une grande partie du film consiste à la traque de toutes ces femmes par les forces de Joe. Sur le chemin de retour vers la citadelle, Furiosa l'affronte enfin, accrochée au flanc de son bolide. Elle s'assure qu'Immortanjo ne sera plus jamais en mesure de maltraiter l'une de ses femmes. Remember me. Numéro 4, la famille Armitage, Get Out. De prime abord, la famille Armitage est une famille bourgeoise tout à fait classique qui se donne bien trop de mal pour montrer qu'ils acceptent tout le monde. Puis, ça devient évident qu'il y a quelque chose de bien plus sombre qui se trame sous la surface. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Comme l'apprend Chris à ses dépens, les Armitage ont monté un business qui consiste à enlever des gens et à voler leur corps en y implantant ensuite l'esprit de plus offrant. Avant que Chris ne vive ça, il résiste. Dean Armitage, sa femme Missy et leur fils aîné Jérémy connaissent tous une fin brutale, mais une fin bien méritée. Après avoir éliminé ces trois-là, Chris fait face à sa propre copine, Rose. Mais le jardinier, dont le corps sert lui aussi d'hôte, est temporairement libéré de son hypnose. Libéré, il met un terme définitif à la lignée des Armitage. Let me do it. Numéro 3, Hans Gruber, piège de cristal.
Est-ce que vous aussi vous kiffez tellement détester cet antagoniste que finalement, ça s'annule et ça devient de l'amour? C'est en partie parce que Gruber s'est débarrassé d'Harry Ellis, un personnage qu'on déteste là sans aucune nuance pour le coup. John, how can you say that after all these years, huh? John. John. Mais la mort de cet odieux bonhomme n'est même pas la plus glorieuse du film. Hans Gruber est supposément un extrémiste qui fait du mal aux gens sans aucun problème, mais en vrai, c'est rien de plus qu'un voleur extrêmement brutal. Il fait face à plus que ce qu'il ne pensait quand un flic lambda, John McClane, pointe le bout de son nez pour sauver sa femme Holly. Happy trails, Hans. Le conflit entre le policier et le bandit culmine dans un face-à-face où Hans se retrouve suspendu à des dizaines d'étages de hauteur, retenu seulement par le bracelet au poignet d'Holly. Heureusement, John parvient à détacher le bracelet et envoie Hans Gruber vers une fin tragique. Bon voyage, Hans, comme il dit. Well, I hope that's not a hostage. Numéro 2, le comte Tyrone Rugen, Princess Bride. Peu de personnages se sont autant dévoués qu'Inigo Montoya à ôter la vie à leurs ennemis. Il a passé des années à ruminer et à penser à sa future vengeance contre l'homme qui a tué son père. I will go up to the six-fingered man and say, hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Alors qu'il est là pour apporter son aide à une mission de rescousse dans un château, le comte et lui se rencontrent enfin. Au cours de ce duel tant attendu, Inigo répète inlassablement sa promesse de se venger du comte. Alors, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Stop saying that. Pendant un moment, on se dit que ça n'arrivera jamais en fait. Mais la ténacité à toute épreuve et la volonté d'Inigo le porte à finalement clore ce chapitre et venger son père en éliminant le comte. Offer me everything I ask for. Anything you want. I want my father back, you son of a bitch. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Bill, Kill Bill volume 2. Béatrix achève sa quête avec la technique des 5 points et la paume qui font exploser le cœur. Howard Payne, Speed, ce méchant inflexible aurait dû faire gaffe à son environnement. Retch, les gardiens de la galaxie volume 2, l'adorable vengeance de bébé Groot sur son tortionnaire est hilarante. Colonel Tavington, The Patriot, le chemin de la liberté, Benjamin Martin venge deux de ses fils d'un seul coup. Ariane Rudd, l'arme fatale 2, l'immunité diplomatique n'a pas pu le sauver. Diplomatic immunity. Just been revoked. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Commode, Gladiator. Only a famous death will do. What could be more glorious than to challenge the Emperor himself in the great arena? Difficile de trouver une meilleure histoire de vengeance que celle de Maximus Decimus Meridius sur l'empereur Commode. Après avoir usurpé le titre d'empereur de Rome à son père, Commode demande au général Maximus de prêter allégeance. Fidèle à celui qu'il appelle le vrai empereur, le guerrier refuse. Outré, Commode ordonne l'assassinat de la femme et du fils de Maximus. Après avoir lui-même échappé à une fin tragique, Maximus jure de se venger un jour de l'empereur. Father to a murdered son, husband to a murdered wife. I will have my vengeance in this life or the next. Il a gravi les différents échelons du monde des gladiateurs et a petit à petit gagné la faveur du peuple romain dans l'arène. Absolument déterminé à voir son ennemi tomber, Commode blesse Maximus avant de l'affronter dans un combat à la façon des gladiateurs. Maximus parvient à surmonter ses blessures fatales et élimine Commode avant d'enfin trouver la paix.
Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.